Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 246 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Cube. Cube qui est un jeu de réflexion puzzle. Donc on va y jouer. Ça se joue à la manette. Vous pouvez le trouver sur Steam. De toute façon, parce que la plupart des jeux sur lesquels je joue, on les trouve sur Steam. Je vais faire un nouveau jeu. Donc il est en mode joli parce que c'est un... J'ai vraiment un problème avec mon mobile qui me fait OK Google toutes les 30 secondes. Désolé. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il entend OK Google dans ce que je dis, mais alors que je le dis pas du tout. Ah oui, il est à fond. Voilà. Ok, au niveau graphique, voilà, vous voyez qu'on est en... pas du tout dans ma résolution. Ok. What the fuck? Donc je change la résolution. Heureusement que je filme mon écran et non pas le jeu. Ce jeu se fout de ma gueule. Hop. Donc oui, parce que ce matin j'étais bien en 1900... Ce matin quand j'ai testé si le jeu se lançait bien, quand j'ai testé vite fait quand même le jeu, que j'avais déjà joué en fait, j'y ai déjà joué il y a très longtemps, mais je me souvenais plus. Voilà, donc je... Voilà, on va en profiter, on va faire un test. J'avais pas fait de vidéo. Et ben c'est parti pour un new game. Et en fait le son que j'entends en fait c'est pas du tout mon mobile, c'est le jeu. Voilà, donc voilà. Gros troll en fait, tiling, c'est comme si c'était Google qui me... Non. Are you sure to want to start a new game? Oui, parce que... Donc c'est parti. Alors il n'y a pas de cinématique à proprement dit, voilà, ça c'est le réveil, c'est le tout début du jeu. Le réveil, vous allez comprendre. And what if it didn't kill him? With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith. Alors, bon, ça parle en anglais, hein. Donc, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de sous-titres. Je ne crois pas qu'on puisse avoir un sous-titre. En tout cas, il doit y avoir un bugle, parce que quand je fais sur Start, ça arrête la cinématique, mais quand je fais sur A, ça continue, donc j'imagine qu'il y a peut-être un menu, j'en sais rien. Donc, on va faire comme si on l'entendait pas et comme si on comprenait pas ce qu'elle nous dit. Comme je connais un peu le jeu, je vais pouvoir vous présenter à sa place. Au début, en tout cas, je ne sais pas jusqu'où on va aller, je ne sais pas si je connaîtrai les particularités. Donc là, elle va nous dire de suivre. Ça va être un peu nul. Le début, je vous le dis, ça va être nul. Parce que là, le but, c'est juste de marcher. Voilà. Je me rends ici, ça descend. Je ne sais pas à quoi sert toute cette partie du jeu. À part pour le blabla. J'imagine que c'est... entre en grosse partie pour ça. Voilà. Ça va s'ouvrir par là. Je me rappelle. Voilà. Allez. Alors bizarrement, je pense que je vais jouer pas à la manette, parce que je joue à la manette, mais je pense que je vais jouer au clavier. Ah non. Parce que ce matin j'ai joué au clavier, c'était plus pratique. Bah en fait non. Parce qu'en fait c'est pas un AZERTY, c'est en ZQSD. C'est pas en ZQSD, c'est en W machin. Donc on va éviter. Hop. Et ça monte. Et ça va se déplacer ensuite sur ce côté-là. Quand on sera tout en haut. Je vous l'avais dit, c'était long le début. Après, c'est sympa. Hein. Je vous jure qu'après, c'est sympa. Continuez à regarder cette vidéo, c'est vraiment sympa. Mais ça, c'est tout à l'heure. Bla, bla, bla. Elle doit sûrement dire des trucs intéressants. Hein. Si c'était Portal, j'aurais écouté. Hein. Après, il y a peut-être des sous-titres. Ah bah non. Non, il me semble que de toute façon, même l'interface était en anglais, donc... Je ne sais pas. S'il y a des soucis, j'en suis désolé de ne pas vous les avoir mis. Ah là là. Le troll quoi. Allez, on rentre dans une salle. Où il n'y a absolument rien du tout. Donc on rentre dans une autre salle. On peut sauter avec le bouton A. Ouh.
Alors, avec quel bouton je vais pouvoir faire des actions sur ça? Avec la manette, est-ce que je peux déjà? Alors, vous pouvez jouer avec la manette, voilà. Mais ça ne sert à rien, parce que ça ne fait rien du tout. Parce que si j'y vais avec, hop, et que je clique dessus, soit j'utilise la main gauche, donc clic gauche, ça fait monter là, ça fait monter, soit j'utilise le clic droit, et ça fait descendre. Donc le but, c'est d'utiliser, hop, pour faire monter, et, non, on peut plus le faire monter, hop, et lui, au contrario, le faire descendre, pour me permettre de passer. Donc là, je suis en train de jouer avec le clavier, c'est très chiant par contre. Hop, hop. J'aurais aimé qu'on puisse servir de la manette pour les... Parce que là, du coup, si je fais start... Ah, resume game. Est-ce que j'ai des options... de contrôle? Non, ok. Ok, tu me permets rien de faire. Eh ben, c'est bien. Voilà, parce que je peux rien faire avec ma... avec mon... Voilà. Encore, j'aurais bien... J'aurais kiffé avec les... Mais non, non, non. Non, non, y a rien... Ou alors je suis un handicapé. Non, non, je suis pas un handicapé, c'est pas possible. Mauvais point pour ce jeu auquel on ne peut pas changer les contrôles, et en plus, c'est pas en français. Alors là, attention, ça c'est un jumper, vous allez voir. Hop. Donc ça veut dire que si je le pousse, et que je m'en sers, ça jump. Et si je pousse lui, plus lui, ça jump. Jump. Et hop. Et si je pousse lui... Donc je saute dessus, et il s'en fout, et hop. Alors plus vous y allez dessus évidemment, et plus c'est violent. Là-bas on tire la plateforme, on saute, on va dessus, hop, voilà, c'est tout simple. Alors ça on n'a pas le choix. Ça, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ah d'accord, donc en gros, c'est lui qu'il faut que je touche pour que lui soit plus haut que les autres. Voilà, on arrive dans une partie du jeu que je ne connais pas. Donc lui, c'est la plus haute, sauf que c'est pas lui que je veux, c'est lui que je veux le plus haut. Ok, je suis un handicapé. Et voilà. Alors, qui c'est que je veux le plus haut? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je veux lui le plus haut. Attends. Oui, lui le plus haut. Et lui le plus haut. Hop. Yep. Yep. Alors, du coup, au clavier, c'est beaucoup plus dur à contrôler les mouvements qu'à la manette. Alors, admettons que ça, je le tire sa mère. J'en tire, je tire, je tire, je sais pas quoi ça peut me servir. Que lui je le monte en mode je te monte dessus. Hop. Hop. Ah, ta mère. Et que je doive aller. Du coup, si je tire lui. Ok, je suis un handicapé. Voilà. Alors, les énigmes. Si je tire ça, c'est comme ça. C'est pas bien. Si je tire lui. Et si je tire lui. Est-ce que ça va me servir à quelque chose si je fais ça? Ok, ça ne sert à rien. Je me tape la tête contre le mur. Alors, on fait comme ça. On fait comme ça. Yop, yop, yop. Yop. Et hop là! Ça va qu'on fait des sauts à peu près corrects. Et qu'est-ce que c'est que cette pièce? Donc en fait, voilà, c'est un jeu, c'est que ça. Hein. C'est vraiment, on se croirait dans Portal, quoi. Ok, les murs se ferment derrière moi, ça fait super peur. Je vais mourir. Ah non, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, ça faisait super peur.
Alors par contre, je vais où? Là? Non. Hop là! Allez, on est des big boss, on est des big boss. Ouh, j'aime pas du tout réfléchir à ce jeu, dans des genres de... Ah ok, j'ai plus le contrôle. I not have the control. Sector 1 completed. Donc j'en ai fait 1. Il y en a 6. Ok, donc ça sert à ça. Mais il y en a 6 quoi. C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que j'ai fait que ça? On peut rien faire dessus. Ok, on peut rien faire dessus. Est-ce que je peux pousser des trucs? Non. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas. Voilà. On est arrivé au secteur 2. Hein? Voilà, voilà. Exactement. Exactement. Je comprends pas l'utilité de ce cube-là, en fait. Je suis un handicapé. Je peux rien en faire de ce cube. C'est un truc de fou. À moins qu'il y ait des touches que je connaisse pas. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors là par contre c'est avec le Google, on est d'accord. Et ben voilà. Il suffisait de réfléchir. Donc il faut se servir du cube en fait, hein, en faisant ce qu'on veut, en le poussant. Par contre on n'a pas le droit à nos mains. On est un peu handicapé. Ok. Touche de Rizit. Touche de Rizit. Allez. Alors, j'imagine qu'il faut le pousser là-dessus. Non. Non. Je sais pas. Non mais pourquoi qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Le but c'est que j'atteigne quoi? C'est une très bonne question dont je n'ai la réponse malheureusement.
Parce que si je le pousse là. Ok. Admettons, je suis arrivé à le mettre sur lui là. Mais d'accord. Non, non. Non. En gros, il me servait juste de passerelle à faire passer, en fait, c'est tout. C'est un peu du hasard quand même là. J'avouerai que je me sens pas du tout fier de moi. Allez, on s'en fait un petit dernier. Sur ce level là. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est quand même de plus en plus dur. Ok. Admettons que moi j'arrive à pas monter dessus. Hein. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à monter. Tuc. Voilà. Admettons que j'arrive à pousser lui ici. Et que j'arrive à dire à lui de monter. Hop. Et ben je suis pas plus avancé. Hein, je suis un handicapé. Je suis un handicapé. Voilà. Et voilà. C'est qui le PGM? C'est Bibi. Ok. Oh. Voilà. Et ben cube, ça me parle hein, autant que Postal. Bon, il n'y a pas l'univers comique de Postal, du coup je suis un peu déçu. Et puis ça va, à moins que ce soit comique, mais en tout cas c'est en anglais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça joue avec des événements. Play. Nom de Dieu. Pourquoi je le prends dans la gueule? Ah, c'est juste je fais ce niveau parce que c'est pour montrer quand même. C'est ce que je connais pas du tout, donc du coup je suis aussi épaté que vous. What the fuck? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah con, il faut que je l'emmène. Il faut que je le dévie de sa trajectoire. Pour le faire passer sur les... Sur lui. Il faut que je le dévie de sa trajectoire, mais le problème, il y a ça aussi. Attends. Parce que là, du coup, on me demande de faire ça pour l'emmener là. Ouais, d'accord. Donc, en gros... Il faut qu'il vienne jusque là. Pour se venir perdre ici. Venir là. Il va se passer quoi s'il vient jusque là? Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ok, il s'en bat les couilles.
Ok. Ta mère. Eh ben j'ai pas que ça à foutre de ma vie. Voilà, vous avez compris. Vous avez bien compris comment ça marchait. Il faut l'emmener dans le panier. Et pas moi. Ah oui, je peux y aller. Voilà. Donc voilà. Voilà. C'est la flemme, hein. C'est vraiment la flemme. Je vous dirais. Donc ce jeu est vraiment intéressant. Il est bien fait. C'est dommage qu'il soit pas comique. C'est de la logique pure. Je sens, je connais quelqu'un, j'ai un de mes amis qui va bien kiffer, je pense, hein, quand je vais lui montrer ça. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, aimez. Si vous n'avez pas aimé, aimez pas. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce jeu, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Abonnez-vous, faites, partagez-le, surtout, dites. Non, regardez, regardez ce jeu, ce mec l'a testé. Ah. Non, je déconne. Faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!